You're kidding. A little punk tries to throw me off a train. We get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For 3 hours, I tell them why. They don't believe me. Salut, c'est Julien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les différents moyens que j'utilise pour payer mes fournisseurs. Donc, si c'est un fournisseur que tu as rencontré sur Alibaba ou bien à la Canton Fer en direct, en réel, les moyens que tu vas utiliser vont pas être les mêmes. Ce que je vais t'expliquer, c'est comment ne pas te faire arnaquer, comment utiliser le bon suivant la configuration. Ensuite, on va voir les modalités de paiement. Comment négocier ses modalités de paiement et comment optimiser son cash flow pour garder suffisamment de trésorerie pour agrandir constamment son catalogue. Et pour finir, je vais te montrer un petit bonus, un site que j'utilise pour payer mes fournisseurs directement en yuan et cela me coûte seulement 1% et ça arrive en 24 heures. C'est génial, tu vas voir, reste jusqu'à la fin. Dernière chose, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me motive vraiment à faire des nouvelles vidéos, donc vraiment un grand merci à vous. Un grand merci pour tous ceux qui laissent des commentaires, qui me laissent des messages en privé, c'est super cool, ça fait vraiment plaisir. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et maintenant, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler des 3 moyens que j'utilise le plus souvent, donc PayPal, la Trade Insurance de Alibaba et le compte à compte, donc le transfert bancaire traditionnel. Alors, PayPal, le premier, c'est sûrement celui qui vous paraît le plus familier puisqu'on en a tous un en 2017, un compte PayPal. Par contre, il va falloir faire attention quand vous allez créer votre nouveau compte PayPal pour votre société à bien choisir compte business. C'est très important pour avoir toutes les fonctions et puis pour pouvoir faire des paiements à l'étranger tout en étant protégé. L'avantage de PayPal, c'est que ça se connecte à votre compte bancaire en quelques clics et qu'en une fraction de seconde, le paiement passe. C'est-à-dire que vous pouvez être en même temps sur WhatsApp avec votre fournisseur et une seconde après, il va recevoir l'argent. Et ça, c'est magique, il n'y a pas à attendre, vous ne perdez pas de temps. L'avantage aussi, c'est que l'assurance qui couvre vos achats est vraiment de très haute qualité. C'est un peu de la même façon qu'Amazon protège ses clients. PayPal protège vraiment les acheteurs, donc vous n'avez pas trop de tracas à vous faire. S'il y avait un problème au niveau de la livraison, au niveau du produit reçu, s'il n'était pas conforme, vous obtiendrez assez facilement un remboursement. Mais attention, pour cela, il faut réunir 2 conditions. La première, c'est que quand vous allez envoyer l'argent pour payer la marchandise, il faut bien cliquer sur « payer des biens ou des services » et non pas « envoyer de l'argent à un proche ». Quand vous envoyez de l'argent à un proche, en fait, c'est un envoi qui vous coûte rien, ça coûte rien à personne. Par contre, quand vous cliquez sur « payer un bien ou un service », vous, ça vous coûte toujours rien, mais par contre, la personne qui va recevoir l'argent va payer environ 3,4% plus 35 centimes par transaction. C'est pourquoi il ne faut pas que vous soyez étonné si votre fournisseur vous demande de participer aux frais PayPal, c'est monnaie courante. Donc, si vous voyez qu'ils sont un peu hésitants à accepter un paiement PayPal, eh bien, vous pouvez tout simplement lui dire que vous allez participer aux frais. La deuxième chose à bien faire attention pour se couvrir, c'est au moment que vous allez faire votre commande, c'est de bien marquer toutes les spécifications du produit avec des photos, ce que vous attendez de recevoir au niveau de la qualité. Parce que l'assurance de PayPal, en cas de problème, a besoin d'éléments précis pour pouvoir comprendre en quoi la commande n'est pas conforme. Parce que si vous avez passé une commande comme ça dans le vent à l'oral et que vous recevez quelque chose qui ne correspond pas, vous n'allez pas être couvert. Par contre, s'il y a au moins un cahier des charges, eh bien là, ça va être plus facile d'obtenir votre remboursement. Donc pour résumer en 2 mots, PayPal, c'est rapide et simple d'utilisation. Par contre, c'est assez coûteux. Il faut savoir que vraiment, dans la plupart des cas, les fournisseurs vont vous demander de payer ces 3,4%. Et du coup, c'est une des solutions de paiement les plus chères. Mais ça peut être pratique, ça peut débloquer une situation. Je pense notamment aux commandes d'échantillons. Au lieu de faire un virement bancaire qui va prendre 7 jours, là, en 3 secondes, vous avez payé votre fournisseur. Le lendemain, il peut envoyer l'échantillon. Et ça, c'est quand même assez cool. Voilà, donc maintenant on va passer à Alibaba Trade Insurance, donc qui offre 3 façons de payer à travers son assurance. Mais seulement 2 de ces possibilités sont accessibles à nous les Européens, donc le TT, c'est le Telegraphic Transfer, c'est-à-dire un virement bancaire tout simplement, et le Visa et Mastercard, donc payable par carte bancaire, ça vous pouvez le faire. Le e-checking, c'est valable uniquement pour les comptes américains. Au niveau des frais, eh bien le TT, donc le transfert télégraphique, c'est suivant votre banque, quel frais est facture pour des envois d'argent à l'étranger. Au niveau de la carte de crédit, c'est 2,8%, donc ça vous fait quand même 0,6%.
6% de moins que PayPal. Après, le paiement peut prendre 2 à 3 jours. Donc si vous êtes pressé, PayPal peut toujours être une solution intéressante pour vous. Et le e-checking qui est vraiment très intéressant, mais qui est toujours pas disponible pour nous les Français, les Européens en général, qui est de 15$ par transaction, peu importe le montant. Et ça, c'est super cool. Avec l'assurance Alibaba, vous êtes couvert jusqu'à 30 000$, donc c'est déjà pas mal pour commencer. Il n'y a pas 400 000 pièces là-dedans, hein ? Le contrôle. C'est indiqué, voilà, 50 de longueur, 25 en largeur. Millimètres. Mais encore une fois, pour que cette assurance soit valable, il faut que sur la Pro Invoice, tous les détails de votre produit soient bien spécifiés. Comme ça, en cas de litige, Alibaba pourra vérifier et envoyer un contrôle qualité. Donc pour régler à travers Alibaba, il vous suffit de dire à votre fournisseur que vous voulez utiliser les services d'Alibaba et il va vous envoyer la demande de paiement. C'est assez simple et ensuite vous choisirez si vous voulez payer en virement bancaire ou bien avec votre carte bleue. Pour résumer en deux mots, la solution de paiement d'Alibaba, c'est une solution que j'utilise avec des fournisseurs que je ne connais pas encore, avec lesquels j'ai pas d'historique, et donc je préfère utiliser ce moyen de paiement pour avoir une garantie. L'assurance qu'elle a de bien aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'elle couvre aussi les retards d'expédition. Donc quand vous réglez votre Pro Invoice sur Alibaba, il y a une date à laquelle la cargaison doit être prête à être expédiée, et si le fournisseur ne tient pas ses délais, vous pouvez avoir un dédommagement ou même un remboursement total. La deuxième chose que j'aime avec cette solution de paiement, c'est que ça construit votre profil d'acheteur. Ce que j'entends par là, c'est que sur Alibaba, vous avez un profil et les entreprises avec lesquelles vous allez travailler peuvent consulter ce profil et voir vos transactions passer. Et à mon avis, ça influe sur la qualité des réponses que vous allez recevoir quand vous effectuez votre sourcing, parce que un acheteur qui a déjà acheté dans le passé, c'est déjà beaucoup plus crédible et sérieux qu'un acheteur qui a aucun historique, qui a même pas de photo, qui a pas d'informations sur sa société. On va donc terminer avec le transfert bancaire. Donc ça, c'est la façon la plus traditionnelle. Ça peut être aussi la plus risquée parce qu'il n'y a pas d'assurance. Vous pouvez, pour vous couvrir, faire un paiement via un compte escrow, E-S-C-R-O-W, escrow. Donc il sera comme un compte tierce qui permettra de faire tampon et de délivrer l'argent uniquement au moment où vous serez sûr de la qualité des biens qui viennent d'être produits. Donc les paiements par transfert bancaire, je les utilise quand je travaille avec une usine sérieuse avec laquelle j'ai déjà travaillé dans le passé et qui a eu aucun problème. Je peux les utiliser aussi avec des usines que je rencontrerai en personne à la Canton Fer, mais sinon je vais jamais utiliser un transfert bancaire pour une première commande. Ça, c'est à bannir, n'y pensez même pas. Donc pour conclure, si c'est vos premières commandes avec un fournisseur, vraiment utilisez les deux premières solutions de paiement que je vous ai indiquées, PayPal ou la Trade Assurance de Alibaba, parce que certes vous allez payer 2 à 3% de commission, mais vous allez dormir sur vos deux oreilles et ça c'est assez important, surtout si vous lancez votre business, vous allez avoir besoin de vous focus sur pas mal d'autres points. Et on a toujours tendance à trouver bien trop cher une assurance tant qu'on n'en a pas besoin. Mais le jour où on a vraiment un pépin, d'un coup, les 2-3% nous paraissent pas si chers que ça. Ok, donc on va attaquer la dernière partie que je voulais aborder dans cette vidéo, les modalités de paiement. Donc dans la plupart des cas, les usines vont vous demander 30% à la commande et 70% avant l'expédition de la marchandise, avant qu'elle ne quitte l'usine. Parfois c'est 50-50 et parfois quand c'est des petites commandes, ne soyez pas étonnés quand c'est moins de 1 000$ qu'on vous demande 100% à la commande. Gardez bien en tête que les modalités de paiement, c'est comme le prix, c'est quelque chose que vous pouvez négocier et ça va vous permettre d'avoir plus de flexibilité dans la gestion de votre trésorerie. Je vais vous donner un exemple avec cette commande fictive de 3000 pièces à 1$ l'unité. Admettons que vous commandiez en janvier cette commande. On va vous demander un acompte standard de 30%, soit 900$. Ce qu'il va falloir négocier avec votre fournisseur, c'est qu'ensuite vous puissiez échelonner les livraisons et les paiements pour le reste dû. Et en fait, ce que ça va vous permettre, c'est de ne pas sortir tout de suite 3 000$, mais de sortir 1 600 pour la première livraison de 1 000 pièces, ensuite seulement 700 pour les deux autres. Et ce que ça va vous permettre surtout, c'est de garder tous les mois de l'argent pour pouvoir réinvestir dans d'autres produits, dans d'autres catégories. Parce que si vous payez d'un coup 3 000, vous allez être à sec. Et donc, le but du jeu, c'est d'optimiser justement la gestion de son cash flow, de sa trésorerie. Et alors, vous allez me demander pourquoi commander 3 000 pièces et non pas 1 000 pièces par 1 000 pièces. Eh bien, pour la simple et bonne raison que le prix pour 500 ou 1 000 pièces n'est pas le même que 3 000 ou 5 000 pièces. Deuxièmement, souvent, si vous voulez apporter des modifications assez importantes, comme changer le moule sur un produit, changer des choses plus avancé, eh bien pour 500 ou 1000 pièces, c'est rare qu'une usine accepte vraiment d'aller très loin dans les modifications et ça sera plutôt autour des 3 000 à 5 000 pièces.
Donc voilà, ce type d'optimisation vous permet d'un côté de faire des commandes qui soient plus conséquentes et donc avec des meilleurs prix. Vous permet aussi de pas sortir trop d'argent d'un coup, vous allez pouvoir échelonner. Là, je vous ai donné un exemple mois après mois, mais ça peut être échelonné tous les deux mois par exemple. Ça, c'est des choses à régler avec votre fournisseur. Ne vous inquiétez pas, ils ont l'habitude de ce type de modalité de paiement et ils vont stocker votre marchandise jusqu'aux dates entendues. Je vais terminer cet épisode en vous présentant le petit bonus. Remitly, c'est un site qui vous permet d'envoyer des paiements en Chine, donc sur des comptes en RMB, en yuan, pour seulement 1% et en 24 heures. Vous pouvez avoir l'option en 6 heures, mais par contre, ça vous coûtera plus cher. Donc voilà, ça c'est une très bonne solution que j'ai utilisée personnellement dans le passé et ça marche très très bien. Je vous montre un deuxième aussi qui s'appelle CurrencyFair, qui lui fait pas en RMB mais par contre fait en HK dollars, donc les Hong Kong dollars, parce que ça arrive souvent que les usines aient des comptes à Hong Kong et non pas en Chine. Et donc, vous pourriez régler sur un compte en HK dollars. Et là, la commission, elle n'est même pas d'1%. C'est vraiment pas cher du tout. Donc ça, je vous conseille, quand vous travaillez depuis un moment avec le fournisseur et que vous avez une confiance absolue, vous pouvez le régler avec ce type de plateforme de paiement qui n'ont pas d'assurance, mais par contre qui sont vraiment pas chères. Sachez que vous allez pouvoir accéder à tous les liens et tous les sites que j'ai mentionnés dans cette vidéo tout simplement avec les liens qui sont dans la description ou bien en vous rendant sur oseille.tv et en allant dans la section blog que je viens de créer où je vais essayer de retranscrire mes notes en article en donnant même un peu plus d'infos parfois. Donc vous allez sur l'article de l'émission que je viens de présenter et vous allez retrouver toutes les notes. Je vous rappelle également que je viens de lancer un service de coaching personnalisé, donc pour ceux qui veulent développer leur business plus rapidement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en vous rendant sur oseille.tv/coaching. Et pour finir, vous avez la boîte à outils où il y a tous les outils que j'utilise au quotidien qui sont testés et approuvés par moi-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça va permettre de clarifier les choses au niveau des moyens de paiement. N'hésitez pas à me laisser un feedback en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'émission, s'il y a des choses à améliorer, si vous avez encore des questions. Ça m'intéresse vraiment pour pouvoir toujours améliorer cette chaîne pour que ça fasse vraiment quelque chose de qualité. Vous pouvez également me laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. And he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For 3 hours, I tell them why. They don't believe me.